prier pour la parole et pour les offrandes. Alléluia. Puis nous allons laisser les musiciens chanter les cantiques. Pendant que nous préparons à clôturer ce service, frère Jean, venez prier pour la parole et pour les offrandes. Comme vous avez entendu le prophète, nous commençons par l'adoration, puis la parole. Et maintenant, quand nous allons sortir d'ici, la bataille va commencer. Je vous prie de rester dans le Seigneur Jésus. N'écoutez jamais le diable. Parce que la mémoire du diable sera effacée. La mémoire de tous ceux qui font le mal, ils ne seront pas dans l'éternité. Même dans le millénium, le diable sera lié. Pourquoi vous devez écouter Jay-Z? Pourquoi vous devez écouter Beyoncé? Pourquoi vous devez écouter les gens du monde? Ils ne seront plus là dans l'éternité. La Bible dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Vous n'allez même plus vous souvenir de la maladie. Vous n'allez même plus vous souvenir du péché et toutes ces choses. Ça sera effacé avec tous ceux qui font le péché. Le diable ne sera plus. Ne l'écoutez pas aujourd'hui. Écoutez la voix du Fils de l'homme. Écoutez la voix de Jésus-Christ. Par la bouche de maladie 4. Mangez le livre en ce temps de soir. Merci Seigneur. Céleste. Amen. Encore une fois, nous venons, Seigneur notre Dieu, pour te glorifier, magnifier ton nom, Seigneur. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, celui de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous te louons, Seigneur, pour nous avoir accordé cette opportunité de nous réunir dans cette maison, Seigneur. Amen. Sous un signe du Saint-Esprit. Et pour une raison de t'adorer, toi le Saint des Saints. Amen. Ô bien-aimé Père Céleste, tu as fait que nous puissions entendre, Seigneur, mon Dieu, ta parole. Ô bien-aimé Père Céleste, qui nous a enseigné comment et où l'Église est battue. Amen. Seigneur, tu nous as enseigné que l'Église est battue sur la pierre qui est la révélation de qui est Dieu. Amen. Ô bien-aimé Père Céleste, merci Seigneur Jésus. Fais que cette révélation, Seigneur, soit la base de notre vie spirituelle. Amen. Et que cette révélation, Seigneur, notre Dieu, puisse nous conduire à notre destinée, Seigneur. Et notre destinée, Seigneur, c'est un jour quand nous serons devant ta face. Amen. Pour t'adorer, te glorifier à jamais, Père bien-aimé. Ô Seigneur, j'invoque ton nom, Seigneur notre oui, Dieu. Seigneur Jésus. Sur tout celui qui a un problème. Sur tout celui qui est malade. Amen. Ô Seigneur, tu nous as dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, par la foi, vous verrez s'accomplir. Oui, Seigneur Jésus. Et si sur base de cette parole, je déclare guéri. Amen. Toute maladie, amen. Tout malade, amen. Lieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Et déclare tout. Il y a une solution à chaque problème, Père. Oui, Seigneur. Ô Seigneur bien-aimé, fais surtout que nous puissions toujours trouver un bon moment, Seigneur, pour avoir une communion avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Dans notre vie quotidienne. Oui, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur, ici que nous voulons quitter cette maison. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Fais que la fois prochaine, Seigneur, quand nous reviendrons pour t'écouter, Seigneur, que ta présence soit là. Amen. Béni sois-tu au siècle des siècles. Je te le demande, Seigneur, merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Pendant que nous prélevons les offrandes, nous chantons ce cantique. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. Mom!
entre tes mains, Seigneur Jésus. Pendant qu'ils vont rentrer à la maison, laisse que la parole qu'ils ont entendue puisse demeurer dans les cœurs et qu'ils puissent méditer dans cette parole nuit et jour. Tu as dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est passé dans notre dimension. Mais toi, Josué, écoute, fils de Dieu, prends la parole que Moïse a prêchée. Ne te détourne ni à droite, ne te détourne ni à gauche, mais dis seulement ce que Moïse a dit. Dis seulement ce que le message dit. N'ajoute pas, ne retranche pas. Oh Josué, mais répète seulement ce que Moïse a dit. Étudie le message de Moïse, nuit et jour, afin que tu puisses avoir le succès aux États-Unis, afin que tu puisses avoir le succès dans le pays. Et tu as dit, Seigneur, aucun homme, aucune puissance, aucune maladie, aucun démon ne se tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Oh, merci Seigneur, puisque tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu de Moïse, tu es le Dieu de Malachi 4. Oh Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons, alléluia, pour la puissance de la transformation du Seigneur Jésus-Christ en ce temps de la fin. Bénis chaque sœur, bénis chaque frère, bénis chaque enfant, bénis les jeunes et les vieux. Fortifie-nous, Seigneur. Laisse que nous soyons renouvelés dans notre esprit. Oh Seigneur Jésus, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Il n'y a pas de salut en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, fortifie chacun de nous. Fortifie chacun de nous. Seigneur, fortifie-nous. Tu as dit à Pierre, quand tu seras affermi, Seigneur, affermis-nous, Seigneur. Cette parole que nous avons écoutée, tu as dit, quand vous recevrez un prophète, en tant que prophète, vous recevrez la récompense du prophète. Seigneur, récompense tous ceux qui croient, car tu connais ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Dès avant la fondation du monde, tu as mis dans le livre de vie de l'agneau les livres de ceux qui n'adorent pas la bête, de ceux qui sont scellés du Saint-Esprit, de ceux de tes enfants. Seigneur, bénis notre frère Miguel, qui vient d'arriver aux États-Unis. Seigneur Jésus, toi qui étais son Dieu en Afrique, tu es son Dieu aux États-Unis. Tu es le Dieu dans le désert, tu es le Dieu dans la vallée, tu es le Dieu sur la montagne, tu es Dieu partout, tu es omniscient, ta puissance est la même, ton amour ne change pas, ta compassion est la même. Oh Seigneur Jésus, sois avec notre frère Miguel, qu'il ne puisse pas abandonner ta parole, qu'il puisse chérir ta parole. Amen. Et garder ta parole dans son cœur. Amen. Car ton fils David a dit, oh Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Seigneur, garde-le. Garde-le du malin. Amen. Garde chacun de tes enfants dans le malin, du malin, Seigneur. Dans les maisons, à l'école et partout. Nous les remettons entre tes mains. Qu'ils prospèrent spirituellement et en toutes choses, comme leur âme en train de prospérer. Qu'ils soient la tête toujours et non la queue. Nous les bénissons maintenant dans le tout-puissant nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Amen. Entrez dans la paix du Seigneur. Let me walk, bless the Lord.